Bonjour, c'est Sakina Karchaoui. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions. Première question de Eva. Pourquoi portes-tu le numéro 7? Alors, tout simplement parce que j'ai toujours eu le 11 et le 7 quand j'étais jeune. J'ai continué à avoir ce numéro-là et en A, j'ai pu obtenir ce numéro, donc je l'ai pris. Question d'Elena. Je voulais savoir comment as-tu été repérée? C'est simple, j'ai joué 2 ans à l'US Miramas, près de chez mes parents. J'ai joué 2 ans et j'ai été détectée à un tournoi à Cannes, je crois, par le Montpellier Hérault. Et du coup, je suis partie à Montpellier à l'âge de 13 ans. Comment te sens-tu de jouer dans la plus grande des compétitions? Alors déjà, jouer une Coupe du Monde, c'est incroyable. Ça procure des émotions intenses. C'est magnifique de jouer une Coupe du Monde. Question de Léonique. Si tu n'étais pas footballeuse, tu ferais quoi? Alors là, point d'interrogation. Là, c'est joker. Hein. J'étais quand même pas mal dans les études, donc peut-être que j'aurais fait des longues études, je sais pas. Question de Coco. Comment fais-tu pour n'être jamais fatiguée alors que tu joues au poste le plus physique? C'est une bonne question, ça. Alors, c'est vrai que pour être latéral, il faut avoir un bon coffre, un bon cardio, mais ça fait partie de mes qualités, donc on travaille pour à l'entraînement, donc on fait le nécessaire pour être à 100% pendant les matchs. Qui est ta coéquipière la plus bruyante? Vivi Assayi. Je pense que top one. Elle gagne tout le monde sur ça. On entend qu'elle et son rire est très communicatif. Kefou94, viens on fait un city dans le 9-4. Quand tu veux. Tu préfères marquer un but ou faire une passe décisive? Franchement, je préfère faire une passe décisive. Ça me procure beaucoup plus d'émotions, je sais pas pourquoi. Que je mets plus de passes décisives que de buts, mais c'est vrai que j'en ai fait une lors du dernier match contre le Maroc où Elisa fixe bien l'adversaire, me la décale, je fais un 1-2 avec ses mains et je mets un centre sur la tête de Khadija Toudjani. Donc c'était un beau moment. Question de Mati. Qui était ton idole étant petite? J'en avais plusieurs, j'avais Samir Nasri et Van Persie. Et Nasri parce que j'aimais beaucoup sa qualité de passe et Van Persie parce que c'est pour moi l'un des meilleurs attaquants à l'époque. Je sais que ça sort un peu de l'ordinaire, mais c'était des personnes que j'aimais énormément regarder jouer. Question de M. Robs. Quelle est ta routine d'avant-match? Je dirais quand j'arrive dans le vestiaire, j'aime bien avoir mes écouteurs, être dans ma bulle. Il faut tout simplement pas se mettre une pression négative parce que ça c'est sûr et certain que tu vas rater ton match, mais me préparer comme il faut avant le match. Repenser à certaines actions aussi que j'ai bien faites lors du dernier match pour mettre une concentration maximale et puis let's go. Pensez-vous être prête pour le prochain match? Bonne chance les filles. En tout cas, on est au taquet, on est à 100% prête pour commencer ce match. Donc on va se donner les moyens et on va essayer de gagner. On a déjà joué contre les Australiennes avant la Coupe du Monde. Donc on sait très bien que ça va être un match très compliqué, très physique. Mais on est prête pour y aller. Merci pour vos questions. En tout cas, je vous donne rendez-vous demain à 9h du matin sur France 2. On espère que vous serez nombreux derrière nous.